Hey la team, alligato. Ok, ta mère ramène les gâteaux s'il te plaît, on a envie de bouffer de nous, sa mère. Ok. Yo la team, c'est Chase. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur Roblox, hein, vous l'aurez vu. Sur Atura. Donc aujourd'hui on a encore un nouveau bus. Et ouais. On est heureux, on saute parce que le business il monte. On prend plus d'ampleur, on a des nouveaux bus, on a plein de nouveautés. Donc aujourd'hui, on va faire 317 comme d'hab. On va prendre le service avec un bus qui est juste devant le mon perso. Je pense que là, vous voyez qu'il y a un bus. Ah ouais, ta grand-mère commence à faire nuit au mauvais moment, à la mauvaise heure, frère. Il est 8h38 quand je tourne et il fait déjà nuit. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je pense que vous voulez tous voir c'est quoi le bus. Donc, c'est le voici, le voilà. Le Blue Bus SE. Le Bolloré Blue Bus SE, 12 mètres. En 3 portes. Voilà. Que je vais utiliser sur le 317. Tac, voilà. Ouais, bon. J'avoue que l'intérieur, voilà quoi. Il y a des bus, ça va, il y a un léger effort sur l'intérieur, mais celui-là, voilà quoi. Ah, je viens de remarquer un truc avec la girouette. Ouais. Putain, j'ai plus le son du jeu, sa grand-mère. Oh là là, j'ai pas le son du jeu. Le fait de faire une vidéo, ça m'enlève le son du jeu. Et ça me saoule. Ouais, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. On va aller. De toute façon, ceux qui veulent jouer, bah, vous pouvez jouer. Hein, sur Atura. Ok. C'est parti, mon kiki. Donc, déjà, on va configurer l'agir. Bon, si tu peux t'enlever, s'il te plaît, frérot. Tac. Je pense que bientôt on fera le 172 à nouveau. Ok, non, même pas. Moi, dans ma tête, on dirait que je l'entends le son du jeu. Enfin, plutôt le son du bus. Allez, c'est parti, mon kiki. D'ailleurs, je tenais à remercier un des joueurs, du coup, quand je vais expliquer ce qu'il m'a dit, franchement, je pense qu'il va se reconnaître. Donc, grand merci à lui. Ça fait vraiment plaisir ce qu'il m'a dit. Que, en gros, que pour qu'il se remonte le moral et tout ça, qu'il regarde mes vidéos, qu'il lâche toujours un like. Et que franchement, qu'il apprécie mes vidéos parce qu'elles sont drôles et tout ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci à lui, hein. Et merci à tout le monde. Bientôt les 1000. Oula! Frère! T'es complètement tarbé. Je tarbé, toi. Hein. Tu vois pas, je m'arrête. C'est pas ralentir dans une descente, cousin. Putain. Lui, je sais pas où est-ce qu'il a passé son permis, mais lui, c'est sûr, il l'a passé au bled. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Allez, vas-y, passe au vert. Vu que là, il va passer au vert. Allez, wesh. Voilà, ta mère. N'agis pas les mamans. Ça, je suis au courant. Donc, d'ailleurs, j'ai hâte que les nouveaux bus sortent. Donc, il y a... Allez, moi, je vais même pas les spoiler en vidéo. En plus, ils sont censés... Il y en a deux. Du moins, ils sont censés sortir le samedi 2 juillet. Parce que j'ai vu les dates sur Discord. Putain, sa mère, le bus il tourne même pas. Un rayon de braquage pas très halal. Et voilà qu'à Roblox qui lâche des bugs.
Tac. Franchement, il y en a, je sais pas pourquoi ils font les lignes et tout, mais ils roulent à je sais pas combien, à 100 km/h en ville, hein. Franchement, ça sert à rien d'aller vite. L'argent, de toute façon, il monte, mais quand vous faites de la distance. Et comme on dit, doucement, on va loin. C'est pas en allant vite, parce qu'en allant vite, ça finit toujours en problème. Donc voilà quoi. On sait mieux d'y aller tranquillou, voilà. Et comme ça, on y va et voilà quoi. Moi, quand je joue et tout, je roule toujours tranquille. Je joue RP à la conduite, vu que c'est un point où il faut être RP. Donc, moi, je joue RP au niveau de la conduite. Par contre, ce matin-là, on n'est pas beaucoup. Peut-être ce soir, du coup, le jour où je tourne la vidéo, je pense qu'il y aura déjà les nouveaux bus. Et là, je viens de rentabiliser un autre bus que j'ai acheté. Que je vais pas vous spoil. Vous le verrez dans une vidéo. Et voir peut-être une différence niveau argent. Ça va être l'un des nouveaux bus parce que maintenant, parce qu'en fait, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu quels sont mes prochains projets d'achat bus. Et je pense qu'il y en a, je vais les mettre de côté pour plus tard et me fier d'abord. Et je vais peut-être acheter d'abord les nouveaux. Après, tout dépendra aussi des prix auxquels ils seront affichés. Et aussi les gains. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok. Frère, dose un peu ta vitesse, toi. Alors là, toi, tu me fais flipper derrière. Ici on est moi je la joue RP mon ref hein. Moi les arrêts je marque les mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Eh lui il a grillé le feu parce que le mec il arrive de là-bas derrière là. Le mec est obligé il a grillé le feu. Déjà ça j'enlève. Par contre toi tu vois un feu rouge tu sais pas ralentir hein. Punaise. Et distance de sécurité aussi. D'accord, le bus il a le cul plat, mais faut pas abuser non plus. Hein. Ah ouais, carrément. Eh mais le mec, ça se voit que s'il pouvait tracer, il a les tracés. Mais je crois qu'il a pas compris que moi je marque les arrêts. Je crois qu'il a pas compris que la conduite elle est censée être RP, mon ref. Faut respecter limitation de vitesse et j'en passe, en gros le code de la route. Chose que beaucoup n'ont pas la notion. En une demi-heure, dépendant du bus, mais des fois, je me fais un bon paquet d'oseille. Hein. Ça, je peux vous le dire. Tac. Voilà, ici on arrive terminus dépôt d'Atoy. Et maintenant on reprend dans l'autre sens. Enfin, ah, genre lui il vient de changer sa gire. Wesh! Wesh! Eh, il y a une meuf. Enfin, une meuf avec un. Ça se trouve, c'est un mec avec un meuf. Et va-t'en! Eh, il y a des prénoms, je te jure, on peut faire des bonnes blagues. Hein. D'accord, et va-t'en. C'est pas mon problème. Ok, voilà. En plus, il y avait une fois, genre sur Atoura, genre sur 317, hein, il y avait que des blue bus. Genre, il y avait full blue bus, c'était trop beau.
Franchement, genre moi j'étais avec ça. Il y avait des joueurs, ils avaient soit celui-là, soit le Blue Bus SE 18 mètres. Il y a aussi l'articulé, sauf que les gains, enfin ils s'achètent en Robux, mais c'est pas les mêmes gains que celui-là en fait. C'est. Il a. Celui-là, il te fait gagner plus que. Que l'articulé. À peu près 2 fois plus en gros. Oh là là, ça commence. C'est parti mon kiki. Forange, j'aurais pu passer, mais vas-y. Vous avez remarqué le reflet du soleil sur les vitres là au-dessus du bus? En plus, ça, c'est des bus, ils ont même pas le toit ouvrant. Wesh, frangin. Wesh. Let's go. Vas-y, à plus, cousin. Ah, lui, il en a 3 des toits ouvrants. Peut-être il a pas. Ah ouais, du coup, lui, il a pas la clim. Genre, il a pas de bloc clim. Par contre, je sais même pas si ça, il y a la clim dessus en vrai. Mais je pense que ouais. Vu que moi, IRL, à la RATP, je fréquente des lignes où il n'y a pas de bus électrique en fait. En tout cas, moi, je suis pas encore halal pour servir de poulet au barbecue. C'est. Voilà quoi. Moi, IRL, je fréquente quoi? Des Man Lion City à 23G, diesel. Iveco Urbano Hybride, Manline City A37 Hybride et A37 Diesel. C'est doux. Jamais fréquenté de Eliez. Aucun Blue Bus. Ah oui, j'ai fréquenté aussi les Citelis Line. Et aussi les Urbano 12 mètres Hybride. Mais le plus souvent, c'est Urbano 18 hybride. Tac, on arrive à gare routière. Eh, en vrai, un truc qui aurait pu être stylé, c'est en gros qu'ici, genre. Enfin, en gros. La gare routière, en gros, il y a un truc qui est mal fait. Parce que il y en a, ils se garent là-bas, en gros sur les places de stationnement, juste là, qui sont marquées en rouge. Sauf que du coup, quand il y en a, ils passent là, et que t'en as d'autres qui sont stationnés à quai ici ou même ici. Du coup. C'est un peu chaud pour passer, pour après faire une manœuvre pour faire le demi-tour. Surtout si il y a une file parce que. Surtout s'il y a une file parce qu'un gars il est là. Ou soit parce qu'on a. Ils sont là. Du coup, des fois c'est galère. Genre quand je vois qu'il y a trop de monde ici à la gare, des fois je reste même pas longtemps. Donc voilà quoi. Des fois, en plus, on m'a déjà dit, ouais, pourquoi tu restes pas longtemps et tout. Frère, c'est pas que je veux pas faire un truc régulation et tout ça, là, enfin, attendre 1 heure de départ. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas en fait. Si je reste ou quoi, ça peut gêner et tout ça. Donc, moi, je me taille. Et en vrai, ça aurait été bien mieux, je pense, s'il y aurait des passagers aux arrêts et tout qui rentrent dans le bus et tout. Et genre par passager on gagne un peu plus d'oseille et comme ça de façon aléatoire par un ou deux passagers genre on gagne pas d'oseille. Genre un fraudeur de façon aléatoire. Un ou deux fraudeurs ouais de façon aléatoire ou plus hein. Mais genre comme ça augmente les gains.
Bon, après, pour ceux qui achètent du fric avec des Robux, ça, y a pas pour eux, c'est pas un pro... ça, ils s'en foutent, je pense. Mais pour ceux comme moi qui jouent réglo et tout, où ils s'achètent rien avec du vrai argent, qui se la jouent normal, quoi. C'est. Voilà, quoi. Ça commence, hein. En plus, l'autre jour, j'ai mis un screen sur Insta, mais genre là-bas, en gros, cette zone-là, il y avait des travaux. Genre, en gros, on devait faire tout le tour. Genre, sur le 307, genre, on arrive là, on devait tourner là et faire le tour. On repart. Ouais, on devait faire le tour. Franchement, c'était stylé, hein. Cent quarante mille. Il y a un des nouveaux bus. En fait, je sais pas si c'est un remplacement ou si c'est un ajout. En gros, c'est un. Du coup, bon, je pense que c'est bon, hein, j'aurais mis dans les commentaires, mais il y a un Heliès GX 337 GNV qui, franchement, est BG. Hein. Franchement, je valide. Et il y a aussi un Iveco Urbano 12 mètres Cursor. Il me semble que c'est Cursor. Putain. Engin, ce soir, il devrait apparaître. Et il y en a. En fait, il y a un bus. Il y a les deux bus, du coup, ils doivent sortir maintenant. Enfin, maintenant, aujourd'hui, où je tourne la vidéo. Il y en a, ils doivent être prêts à les acheter. Ah ouais, le BHNS là. Frère, 217, c'est pas là. Ah ok. Et pour les passagers aussi, il y a aussi des métros et tout, genre. Et qu'il y en a, des fois, ils sont blindés, soit blindés, qu'il y a les problèmes. Et genre qu'il y ait des problèmes et tout, et que tout le monde se rameute, comme en vrai, genre tout le monde se rameute vers le bus c'est blindé, après il soit blindé et tout. Mais non, ouais, j'arrête. Je me pose. Ah ouais! Hey, est-ce que ce bus-là vous rappelle quelque chose? Le GX 337 hybride. Hey, j'espère qu'ils vont en refaire un autre aussi. Bah, moi, je fais la ligne 317, cousin. En Blue Bus Bolloré SE 12 mètres. Ah, bah voilà, l'articulé, il est là. Bah, par contre, lui, il sait pas conduire, hein. Si j'aurais le temps de faire un screen pour le report, je vous le dis, ça aurait été pas accepté. Et pourtant, ça, c'est une grosse infraction. Au code de la route, chevauchement de ligne blanche continue. Ah, par contre, là, il double pas. Hein. Là, il double pas. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, il va faire le 172, lui. Genre, moi, il m'a doublé au KLM. Là, il double pas. Il a pas doublé. Hein. Franchement, bravo à toi. Hein. Je sais pas t'es qui, mais.
T'es vraiment un as de la conduite, cousin. Par contre, le 172, il tourne ici, hein. Ouais, ça va, il est bien fait le Blue Bus, hein. Ceux que je vois en vrai, ils ont deux portes, pas trois. Après, il y a les bus frigo aussi. Ceux qui ressemblent à des frigos, eux, ils ont trois portes. Ah là 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 là. En plus, il y en a, ils sont en train de se couper et tout. Franchement, dès que j'ai commencé, il n'y avait personne là. Il y en a, ils sont en train d'arriver là. Mais il y en a, ils doivent avoir le même truc en tête. Genre, ils sont en train de faire du fric pour pouvoir acheter les nouveaux bus. Ou soit, il y en a, ils vont directement acheter avec des Robux. Du moins pour ceux qui en ont. Moi, en Robux, il y a un truc que je voudrais acheter. C'est le Renault Talisman Taxi. Celui-là, ouais, je veux l'acheter parce que j'ai une grosse idée en tête avec, à faire avec. Et voilà quoi. Hop. Tac, voilà. Voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, les gars. Hop, 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 hop. Oh, le Iveco, merci bien. Le mec, il s'est calé. Il a carrément transpercé l'autre Blue Bus pour ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en gros, ce que je parlais de métro et tout, genre qu'il y a aussi un truc de métro, genre qui passe là et tout, qu'après ça remplit nos bus et qu'on soit obligé de tous sortir des articulés, genre. Putain, hey, ça, ce serait un truc de ouf. Franchement, rajouter des lignes et des bus, genre en bus, j'aurais suggéré Mana 37, soit diesel ou hybride, franchement, les deux seraient ouf. Moi, perso, je dirais pas non. Voilà. Voilà le Blue Bus 18 mètres. On va voir dedans. Ouais, c'est pareil. Par contre, en vrai, j'en ai jamais vu. Je sais même pas si ça existe, mais je pense que ouais. Alors ça, jamais vu non plus en BHNS. Hybride et GNV, je connais. Ouais, cousin, tu peux pouvoir t'enlever. Hein. Donc voilà, hein, je pense à se laisser là-dessus avec ce Blue Bus. Hein. C'était Chase et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.